message says, dit the seal is broken. Le sceau est brisé. The seal is broken. Le sceau est brisé. Can somebody say amen? Amen. I pray the Holy Spirit will give us understanding tonight. Que le Saint-Esprit nous donne la compréhension ce soir. The seal is broken. Le sceau est brisé. We're going to define what seal is. Nous allons définir ce qu'est le sceau. C'est quoi le sceau? A seal is an act, or seal is an act of closing. Un sceau, c'est le fait de fermer. Or shutting something. Fermer ou condamner quelque chose. In order to prevent it from being opened. Afin de éviter que cela soit ouvert. I will take it again. Je vais le reprendre. Seal is an act of closing. Le sceau, c'est un acte de fermer. Or shutting up something. Ou de condamner quelque chose. In order to prevent it from being opened. Pour ne pas que cette chose s'ouvre. A seal is also to conclude. You know, it's a way of concluding. It's an act of conclusion. To conclude. Le sceau, c'est une action de conclure. To establish. D'établir. Or to secure something definitely. Ou de sécuriser quelque chose définitivement. A seal. Le sceau. Is a stamp used for identification. C'est une étape utilisée. C'est un tampon utilisé pour identifier. C'est un tampon. A stamp used for identification. C'est un tampon utilisé pour identifier ou marquer quelque chose. Alléluia. Amen. A seal carries, you know, the mark of ownership. Le sceau porte la marque de l'honneur. Ownership, appartenance. De l'appartenance. Alléluia. Amen. There are some letters that you receive. Il y a certaines lettres que vous recevez. Especially from the royal people. In the olden days in the Bible. In the Bible. Dans la Bible. When kings. Quand les rois. They send letters. Ils envoyaient des after lettres. After sealing, they seal it with their signets. Après avoir scellé cela. And anywhere that letter gets to, they see the royal signet and the royal seal. Et immediately they will know that this is from the royal palace. Et quand partout où cette lettre partait, quand on voyait la marque royale, on savait déjà de là où cela venait. Let us go quickly to Daniel 6, 15 to 17. Allons à Daniel 6. 15 à 17. Daniel 6, 15 à 17. Est-ce que nous y sommes tous? Daniel 6, 15 à 17. I will if you are there, say amen. Si vous y êtes, amen. Amen. Then this man assembled unto the king and said unto the king, know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king establishes may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spoke and said unto Daniel, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den. And the king sealed it with its own signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Lorsque le roi entendit ces paroles,
Il fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardaient pas à revenir et dire au roi. Le roi sait bien que, selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut être modifié. Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Le roi lui dit, « Seul ton Dieu, que tu sais, avec tant de persévérance, pourra te sauver. » Amen. Maybe you are like Daniel today. Peut-être que vous êtes comme Daniel aujourd'hui. There are conspiracies around you. Il y a des conspirations contre vous. People or demons or spirits have conspired to harm you. Des gens ou des démons ou des épreuves ont conspiré contre vous. And they have brought a judgment upon you. Et ils ont fait un jugement contre vous. They have said nothing can change it. En disant que rien ne pourra changer. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour vous. The seal shall be broken. Because in the case of Daniel. Parce que dans le cas de Daniel. They took Daniel. Ils ont pris Daniel. And they put him in the lion's den. Et on l'a mis dans la fosse au lion. They put a stone. Ils ont mis. A stone. Ils ont mis une pierre. And they sealed it up. Et ils ont scellé l'entrée. And after sealing up. Et après avoir scellé. They put their stamp. Ils ont mis le sceau. The king stamped, the lord the stamp. Le sceau du roi. And the lords, the servants of the king. Et le sceau du servant du servant du. The servant. Des servants du roi. Hallelujah. And they made up their mind. They said, nothing can change what we have done to Daniel. Et ils ont décidé que rien ne puisse changer dans le cas de Daniel. Maybe they have finished your case. Peut-être qu'ils ont fini ton cas. And they said, no power can change it. Et ils ont dit que aucune puissance ne pourra changer. They said, no matter where you are, they have finished your case. Ils ont dit peu importe là où tu es, ils ont fait ton cas. Nothing can change it. Rien ne changera. And nothing can change it. Et rien ne peut changer. Say it is a lie. Dis c'est un mensonge. Say it is a lie. Dis c'est un mensonge. His seal shall be broken. Amen. Le sceau sera brisé. If you believe it, si tu le crois, it will happen to you. Amen. There's something I like about the story. Il y a quelque chose que j'aime concernant cette histoire. The king himself. Le roi lui-même. Knew. Savait. That Daniel. Que Daniel. Was blameless. Était. Sans faute. Était sans faute. Hallelujah. Amen. And the king, as they were putting Daniel there. Et le roi, quand on mettait Daniel dans la fosse. The king, you know, did not just throw Daniel into the. He said, Daniel. Le roi a dit Daniel. Don't worry. Ne t'inquiète pas. I know. Je sais. It is true jealousy. Que c'est la vraie jalousie. That is why these people are doing what they are. Que ces personnes ont fait ce qu'elles ont for fait. Me, mais moi, as a human, comme un homme, even un though I'm a king, même si je suis roi, I cannot help you. Je ne peux but m'aider. I know. Mais je sais. That the God that you have been serving. Que tu, ce that Dieu que you tu sais, serve continually. Que tu sais continuellement. Il te sauvera. Alléluia. Amen. This God that you have come to meet here today. Ce Dieu que tu es venu rencontrer ici. This God that you have decided to serve in the land of Israel. Ce Dieu que tu as décidé de servir dans la terre à Pau. Amen. He will see you through. Amen. He will see you through. Il te rencontrera également. Alléluia. Amen. And the seal. Et le sceau sera brisé. If you believe, say amen. Si tu le crois, amen. This message is for somebody. Ce message est pour quelqu'un. Amen. They have sealed you up. On t'a déjà condamné. And they said nothing good can come. Et ils t'ont dit que rien ne pourra t'arriver. All the conspiracies. Toutes ces conspirations. They passed judgment on you. On t'ont jugé. They have passed it and said that is how it's going to be. Et ils ont dit que c'est ainsi que ça sera. They are liars. Ce sont des menteurs. The seal shall be broken. Le sceau sera brisé. The seal shall be broken. Le sceau sera brisé. In the name of Jesus. It doesn't
matter how powerful they are. Qu'importe combien de fois ils sont puissants. Jehovah, the man of war. L'homme du monde. Le vaillant guerrier. Alléluia. Amen. He will break the seal. Let us go to Psalm 10. Allons à Psalm 10, 15. Je voudrais qu'on soit sensible au Saint-Esprit ce soir. Cette soirée est notre soirée de délivrance. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Alléluia. 10:15. 10:15. Est-ce que nous y sommes tous? Break down the arm of the wicked and the evil man. Seek out his wickedness till thou find none. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Alléluia. Amen. This is for somebody tonight. Cela est pour quelqu'un ce soir. Maybe the wickedness have sealed you up. Peut-être que la méchanceté t'a déjà condamné. T'as déjà scellé. They have sealed you up. Ils t'ont déjà scellé. And they have said nothing good can come. Et ils ont dit que rien de bon ne pourra sortir. Anywhere you go, et que partout nothing tu iras, will happen. Rien de the bon Lord will break their arm. Amen. The Lord will break their arm. Amen. The Lord will break their arm. Amen. And you will find their wickedness no more. Et tu ne verras plus leur méchanceté. In the name of Jesus Christ. Amen. You know something. Vous savez quelque chose? Sometimes God will just allow some things to happen. Parfois Dieu permet souvent quelque chose permet à certaines choses d'arriver. He will allow some things to happen. Il permettra à ce que certaines choses arrivent. So that he will show his glory. Afin qu'il puisse démontrer sa gloire. Hallelujah. He will allow some situations to que certaines méchancetés continuent. It's not because he cannot stop it. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas arrêter cela. It's because he wants to glorify his. Mais c'est parce qu'il veut se glorifier. Hallelujah. Amen. Because God could have stopped the case of Daniel. He could have stopped them from putting Daniel in the lion's den. Parce que Dieu pouvait arrêter que Daniel soit emprisonné. Dans la fosse. But he just allowed them. Mais he said, okay, go ahead, do it. Mais il les a laissés faire ce qu'ils voulaient. I will show you who I am. Je vais vous montrer qui je suis. God will show your enemies who he is. Amen. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Maybe you are like Daniel tonight. Peut-être que vous êtes comme Daniel ce soir. Forces have joined hands together. Les forces se sont rassemblées. And they have said, et ils ont dit, let us stop him. Alors arrêtons-le. Let us stop her. Arrêtons-la. Let us tie him or her. Lions-la ou lions-le. And let us throw him or her into the lion's den, the spiritual lion's den. Et jetons-la dans la fosse au lion spirituellement. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle. Amen. The seal of the lion's den shall be broken. Sera brisé. No matter where they have put you, peu importe là où ils t'ont mis, the seal shall be broken. Le sceau sera brisé. No matter the agreement they have agreed concerning you, peu importe les accords qu'ils ont fait contre toi, it shall be broken. Cela sera brisé dans le nom de Jésus. Maybe that sin is over your life. Peut-être que ce sceau est au-dessus de ta vie. They have sealed your life up. Ils ont scellé ta vie toute entière. And they have stamped it. Et ils ont tamponné cela. And they said, so shall it be. Et ils ont dit que qu'il en soit ainsi. Who is that person? Qui est cette personne? Who is that man? Qui est cet homme? Who is that
that spirit? Qui est cet esprit? Who is that power? Qui est cette puissance? That speaks and it comes to pass. Qui parle et cela arrive. If God has not spoken. Si Dieu n'a pas parlé. Amen. Amen. Vous ne me comprenez pas. They have said. Ils ont dit. So shall it be. Qu'il en soit ainsi. They have sealed your life. Ils ont scellé ta vie. They have sealed everything good about ils ont scellé toutes choses bonnes and they have stamped it. Et ils ont tamponné cela. And they said, so shall it be. Et ils ont dit qu'il en soit ainsi. And I'm saying, et comme je suis en train de déclarer, who is that man? Qui est cette personne? Who is that demon? Qui est ce démon? Who is that power? Qui est cette puissance? That can speak. Qui peut parler? And it will come to pass. Et cela se passe. If God has not spoken. Si Dieu n'a pas parlé. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It might never work. Cela ne marche jamais. But you need to have understanding to capture this. Mais vous devez avoir la compréhension et comprendre ceci. Because if you don't have understanding of what I'm talking about. Si vous n'avez pas la compréhension de ce dont nous parlons, it will become difficult for you. Cela deviendra difficile pour vous. For you to understand. Pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. So that is why it is important for you. C'est pourquoi c'est important pour you vous. You have come here today. Vous êtes venu ici aujourd'hui. You have not come to waste your time. Vous n'êtes pas venu pour perdre votre temps. Say, I have not come to waste. Dites, je ne suis pas venu pour perdre mon temps. Every seal over my life. Tout sceau sur ma vie. Shall be broken tonight. Sera brisé ce soir. Shall be broken tonight. Shall be broken tonight. Sera brisé ce soir. Amen. Amen. You are in the right place tonight. Vous êtes à la bonne place ce soir. Because the Lord will break every seal over. Parce que Dieu brisera tout sceau sur votre vie. Maybe this seal we are talking about. Peut-être ce sceau dont nous parlons. Has been upon the family. A été sur la famille même. From generation to generation. De génération en génération. And they have said. Et ils ont dit. This family. Que cette famille will never break out. Ne pourra jamais s'en sortir. Ne pourra jamais s'en sortir aujourd'hui. Because you are here. Parce que vous êtes là. Amen. Ce sceau shall be broken. Sera 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 broken. As you are here tonight. Comme vous êtes là ce soir. The Lord will visit your family. Le Seigneur. As you are here tonight. Comme vous êtes là ce soir. Under the sound of my voice. Sous le son de ma voix. The angels of the Lord. Les anges du will Seigneur. Go right into your family house. Vont partir dans votre famille. Right into your family house. Amen. I'm beginning to break every seal. I'm beginning to destroy every seal. Ésaïe 29. 11. 13. 11. 11. Ésaïe 29. 11. Are we all there? Amen. Amen. And the vision of all is become unto you as the words of a bull that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. And he said, I cannot, for it is sealed. La révélation de ces événements. Vous êtes resté aussi étranger que les mots d'un écrit scellé. Scellé par un cachet de cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire. En lui disant, lis donc ceci. Mais il répond, impossible. L'écrit est scellé. Hallelujah. Alléluia. You don't understand your life anymore. Vous ne comprenez plus votre vie. You know what you are doing. Vous savez ce que vous faites. You are trying everything to be good. Vous avez essayé beaucoup de choses. You are trying everything to make it in life. Vous avez essayé de leur donner la vie. No, you do everything to make it in life. Vous faites tout pour que ces choses puissent vivre. And it seems nothing is happening in your life. Et c'est comme si rien ne marchait dans votre vie.
You try everything you can do. Vous essayez tout ce que vous pouvez. You touch this way. Vous touchez ici. It's not working. Ça ne marche pas. You touch this way. It's not working. Ça ne fonctionne but pas. But you know what mais you are doing. Mais vous savez ce que vous faites. It's because your life has been sealed. C'est parce que votre vie a été scellée. Because a man that has his life sealed can never understand his life. Parce que l'homme dont la vie est scellée ne peut pas comprendre sa vie. You know what you are doing. Même si tu sais, même quand tu sais ce que tu fais. Because what we have just read now. Parce que là où nous venons says, juste de lire. Even when you give the book to a man that is learned, that went to school. Et ils ont dit même si tu donnes un livre à un homme instruit. I say read it please. Et tu lui dis lis s'il te plaît. But because the book is sealed up. Mais parce que le livre est scellé. That learned man can never read anything. Cet intellectuel ne peut rien lire. Hallelujah. Alléluia. So I bring news, good news for you today. Alors j'emmène une bonne nouvelle pour vous ce that soir. That your life, que votre vie, that has been sealed, qui a été scellée, that sealed over your life, ce sceau qui est sur shall be broken. Afin que vous puissiez voir votre vie là où vous devez vous êtes supposé. Some people, certaines personnes, the life you are living today, la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas votre vie. Your life actually, votre vie actuelle, is sealed up. Est scellée. So what you are saying, alors ce que vous voyez, as your life, comme votre vie, is just an image, a shadow of your real life. Est juste une image, une ombre de votre réel. But today, mais aujourd'hui, Alléluia. Because if the seal is not broken, parce que si le sceau n'est pas brisé, even if they take you into the palace, même si ils emmènent cette vie dans un palace, dans un palais, take you into the palace, en le met dans un palais. When you are in the palace, mais quand tu es dans un palais, because your life is sealed, parce que ta vie est scellée, the palace will not have effect on you. Le palais n'aura aucun effet sur toi. You will not even benefit from the enjoyment of the palace. Tu ne pourras même pas bénéficier de la joie de ce palais là. Why? Pourquoi? Because that life has been sealed. Parce que cette vie est scellée. Even if you are in Europe today, même si tu es en Europe aujourd'hui. Europe cannot change you. L'Europe ne peut te changer. Europe cannot transform you. L'Europe ne peut te transformer. Europe cannot bless you. L'Europe ne peut te bénir. If that seal is not broken. Si ce sceau n'est brisé. So that is why that seal must be broken. C'est pourquoi ce sceau doit être brisé. So that you will live your life the way God wants you to. Afin que vous puissiez vivre votre vie comme Dieu voudrait. Amen, somebody. Amen. Some of you are rejoicing that you are in Europe. Pour certaines personnes, vous vous réjouissez parce que vous êtes en Europe. You are happy. Oh, I'm in vous êtes heureux. In Europe. Oh, je suis happy. À l'école en Europe. Oh, oui, je suis content. Oui, je suis en Europe. Because you are in Europe. Parce que vous êtes en Europe. Does not mean that is the end of everything. Cela ne veut pas dire que c'est la fin de toute chose. Europe is not your final destination. L'Europe n'est pas votre destination finale. Europe is not your final blessing. L'Europe n'est pas votre bénédiction finale. Hallelujah. Because you are being in Europe. Parce que le fait d'être en Europe. There are some blessings that are supposed to be attached to your being in Europe. Il a certaines bénédictions qui sont supposées être s'attacher au fait que vous soyez en Europe. But if your life has been sealed. Mais si votre vie a été scellée. The blessings of Europe, les bénédictions de l'Europe, can never be your own. Ne peuvent pas être les vôtres. And that is why you must make up your mind today. C'est pourquoi vous devez décider very aujourd'hui. Very soon we'll start praying. Very soon we'll start to pray. Très bientôt nous allons commencer à prier. That is why you must make up your mind tonight. C'est pourquoi vous devez décider ce soir. That tonight. Que ce soir. Today. Aujourd'hui. Every seal over my life. Tout sceau sur ma vie. Must be broken. Doit être brisé. Amen. You might think you are blessed enough. Vous pouvez penser que vous êtes assez béni. Oh, I have enough blessings. Oh, j'ai trop de bénédictions. No. The seal must be broken. Le sceau doit être brisé. For greater blessings to come. Amen. Pour que les grandes bénédictions puissent venir. In the name of Jesus. Amen. Sometimes when you look at your life. Parfois quand vous regardez votre vie. You are confused. Vous êtes confus. You don't understand. Vous ne comprenez pas.
When you sit down, quand vous vous asseyez, to make account of your life, pour faire un bilan de votre vie. Normally, what you are supposed to have as a result. Normalement, ce que vous êtes supposé avoir comme résultat. Is not what you have today. Ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Some of you are supposed to be richer than what you have today. Certaines personnes étaient supposées être plus riches comme qu'elles sont aujourd'hui. The kind of money that have passed through your hands. The kind of money, the amount. Ce type de d'argent qui devait passer par votre main. Have passed through your hands, but you don't see them. You can't understand it. C'est comme si cet argent-là vous passe par les doigts et vous ne comprenez pas. When you make account, when you take account quand of your faites, life. Quand vous faites le bilan de votre vie. There's confusion somewhere. Il y a une confusion quelque part. There's a spiritual confusion somewhere. Il y a une confusion spirituelle. And you don't understand it. Et vous ne comprenez what pas. What is happening? Ah, qu'est-ce qui se why passe? Why is it like this? Où se trouve ça? Qu'est-ce qui se passe? It's because c'est parce a seed is somewhere. Il y a un saut quelque part. Maybe your finances. Peut-être vos finances has been sealed up. Ont été scellées. And they said, et ils ont dit, you will never get beyond this stage. Vous ne pourrez pas atteindre cette étape. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle. That seal shall be broken. Que ce soit. 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 In the name of Jesus Christ. Maybe you find yourself in Europe. Peut-être vous vous trouvez en Europe. You are so happy, you are so joyful. Vous êtes tellement content. But you know that there's a problem somewhere. Mais vous savez qu'il y a un problème quelque part. That at home there's a problem. Que à la maison il y a un problème. At home there are problems. À la maison il y a un problème. They have said, eh? Okay, dit, it's Europe. Okay, let us see how he's going to do it. On verra comment il va faire. And they put a seal. Et mettre un seau. Anywhere you go. Partout tu vas. Wherever you go. Là où tu es. That seal is there. Ce seau y est. The spirit of Africa. L'esprit de l'Afrique. They have put a seal. Ils ont mis un seau. And the spirit of Europe. Et l'esprit de l'Europe. They have taken over. Et ils ont pris cela aussi. Today. Aujourd'hui. That seal shall be broken. Ce seau shall be broken. That seal shall be broken. That seal shall be broken. That seal shall be broken. In the name of Jesus Christ. So that confusion will not be there anymore. Afin que cette confusion disparaisse. Alléluia. So that you'll be able to read your life. Afin que vous puissiez lire votre vie. And you will enjoy your life. Vous vous réjouissez de votre vie. In the name of Jesus. Tonight, ce soir, I pray je prie that the Holy Spirit of God que le Saint-Esprit de Dieu come down in his power descende dans sa to puissance to you. Pour révéler son ministère. Alléluia. Open your spiritual understanding pour notre compréhension so that you can understand that question that you have been asking a long time. Afin que vous puissiez comprendre cette question à laquelle vous posez. You are here. You have been asking this question. Vous êtes là depuis longtemps. Vous posez une question. I pray tonight. Je prie ce soir. That the Holy Spirit of God will be able to answer that question. Amen. In the name of Jesus. Amen. That He will reveal. Que lui puisse vous révéler. Where. Où. That missing link. Cette erreur est liée. Alléluia. I pray tonight. Je prie ce soir. That the Holy Spirit will que le Saint-Esprit vous donne cette réponse. Amen. Afin que le sou soit complètement brisé. In the name of Jesus. The seal over Daniel. Le sceau sur Daniel. Was broken. A été brisé because Daniel was faithful to his God. Parce que Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel was a servant of God. Daniel était serviteur de Dieu. And he was serving God. Et il servait Dieu. He served God continually. Il servait Dieu continuellement. Maybe you are here tonight. Peut-être vous êtes là ce soir. You have not been serving God continually. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu continuellement. It is not too late. Ce n'est pas trop tard. You can make up your mind. Vous pouvez décider. By giving your whole life to God. En vous donnant toute votre vie à start Dieu. Your service with your life. En commençant votre service envers Dieu. Give your life as a service to God. Donnant votre vie comme un service à Dieu. Give him
everything around you to him. Donnant toutes choses vous concernant à Dieu. And he will begin to take care of you. Et il commencera à prendre soin de vous. Hallelujah. Amen. Amen. Revelation 5. Apocalypse 5. 1 to 10. 1 à 10. Apocalypse 5, 1 à 10. I want you to read it for me. Please. Are we all there? Est-ce que nous y sommes tous? If you are there, say amen. Amen. Let's bless her, our sister. She does not know where it is. Help her out. I don't know. Est-ce que nous y sommes tous? Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Il était écrit des deux côtés et fermé par sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne? Yes, let's go, let's go. Qui est digne? Let's go, let's go, let's go. Qui est digne de briser? Let's go, leave him, he will do his work. It's okay. Don't worry, he will read. God bless you. He will read it. The spirit of the prophets is subject to the prophets. Amen. Let us go. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. No one, not in heaven, not on the earth. Ni sous la terre, no one. Qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fut digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Alors un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, Glory, Lord. a remporté la victoire. Il peut donc briser les sept sceaux et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les quatre êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes, ainsi que sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Aussitôt les quatre êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillaient devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort par ton sacrifice. Tu as acquis pour Dieu des chants de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. What is the Lamb? Saint est le Dieu. Saint. What is the Lamb? Saint. Saint est l'agneau. Say, what is the Lamb? Dis Saint est l'agneau. Daniel. It happened. Cela s'est passé. In our time. Dans notre temps. Today. Aujourd'hui. Now. Oh, maintenant. It shall happen. Cela doit arriver. Because that God has not changed. Parce que ce Dieu n'a pas changé.
is the same yesterday, today, and forever. Il est celui-là hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. What he did yesterday, ce qu'il a fait hier, he will do again. Il le fera encore. We have a better covenant. Nous avons une bonne et une meilleure alliance. Because Jesus came. Parce que Jésus-Christ est descendu et il est mort sur la croix. Hallelujah. Alléluia. Where we read, là où nous avons lu in Isaiah 10. En Isaïe 10. Or let me say Psalm 10 rather. Ou plutôt Psaume 10. When we read in 10:15. De 10 à 15. The Lord said he would break qu'il brisera the arm of the wicked. La main du méchant. Hallelujah. Amen. Amen.